monde, c'est Striker. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour plutôt vous présenter un petit bug assez sympa, je trouve, pour dupliquer des blocs de diamants, des blocs d'or, blocs de fer ou n'importe quoi. Je crois que ça marche avec tous les blocs, je suis pas sûre. Bon bah, sauf les blocs transparents, style barrière, demi-dalle et tout. Les trappes, les portes et tout, ça sert à rien. Les fleurs aussi. Peut-être que les pastèques se trouillent, je sais pas. Alors, pour cela, pour faire ce petit bug, il vous faudra déjà prendre de la redstone, une torche de redstone, ou un bloc, ou quelque chose qui permet d'allumer la redstone, même une plaque suffit, un répéteur, un piston normal, pas collant parce que sinon ça foire tout. Attendez, je réfléchis. Et il vous faudra le bloc en question. Bon, bloc de diamant comme tout le monde utilise. Alors, ah oui, par contre, j'ai le skin de. J'ai skin de base parce qu'en fait. En fait, je me suis créé un nouveau compte, donc du coup, voilà. Je me suis créé un nouveau compte, j'ai oublié de changer le skin, mais c'est pas grave. Alors, on va faire. C'est ce que. On va mettre deux redstone côte à côte. Oh, tais-toi. En fait, ça va me mettre tous les trucs parce que je viens juste de commencer une nouvelle. Avec mon nouveau compte sur Minecraft, du coup, ça va tout refaire. Alors, on met un répéteur comme ceci. L'autre dans l'autre sens. Oh, mais je m'en fous. Oh. On met deux redstone là. Comme ça, histoire que ça fasse un carré. On met deux redstone. Mince. On met deux redstone après. On va poser l'endroit que vous voulez. Et on met le piston. Non, faut pas qu'il arrive. Non, oh, j'ai tout cassé. Ah oui, il vous faudra aussi des blocs de terre. J'avais oublié de dire. Parce qu'avec la terre, ça marche mieux. Mais après, vous pouvez faire avec d'autres trucs. Déjà, on a notre base. Après, il faudra allumer ça. Pour faire le bloc. On allume, on casse. Mais ça reste que comme ça. Ça ne pourra pas le faire. Du coup, il faudra être très rapide. On va casser et remettre la redstone. Histoire que ça fasse tourner le truc. Du coup, regardez comment le piston il bug, c'est parfait ça. Alors, soit vous avez deux méthodes de bug. Soit vous prenez un bloc, vous le posez. Hop, si j'y arrive. Oh, je m'en fous. Soit ça fait ça. Attendez, je vais vous montrer le premier bug. Soit ça en fait deux à la fois. Ou alors, soit. Oh, oh je m'en fous. Mais je m'en fous des deux. Oh, oh. Mais ils vont m'embêter longtemps avec ça. Voilà. Je vous pose un bloc de terre et voilà. J'en repose un. Hop là. Trois blocs de terre, trois blocs de diamant. Hop là. Quatre blocs de terre, quatre blocs de diamant et voilà. Après, on pourra pas faire ça longtemps. Ça peut tenir que jusqu'à 13 blocs, je crois. Regardez, je vous remonte, ça marche bien. Peut-être que si on pose ça là, peut-être que ça va marcher, je sais pas. Ouais, ça marche quand même. Puis, attendez, je vais casser ça. Puis, voilà. Sur ce, je vous laisse. Hein. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner. Et je cherche aussi, si vous voulez m'accepter en ami sur la PS3, vous pouvez. Mon pseudo c'est Explogame. Je vous le marquerai dans la description de la vidéo. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!